Hello everybody, everybody, hello, c'est Kenté en coque. Salut. Dans Don't Starve Forever Together ou Together Forever, je ne sais plus. Et nous sommes une armée de fantômes et il fait jour, nous allons disparaître. Comme par hasard, il va falloir recommencer le... Donc ça se passe jamais, jamais bien dans un début de vidéo, c'est un truc de fou. C'est pas grave, c'est pas grave. Et nos copains ont des têtes de Pégase. Hein, c'est oui. Ça. Ma petite fantômette se fait prendre dans le coin. Et ben... Regardez-moi ce pervers et regarde avec ses petits yeux noirs là. Mais non. Sans ta tête ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo, la vraie. Là c'était juste pour le fun. A tout de suite. Bisous. A tout de suite. Donc nous revoilà dans le monde sans fantômes. Hein. Le monde des bisounours. Normalement, ça devrait être fluide. Il y a juste un truc. J'aurais peut-être dû oui. Brancher ma manette. Bon, c'est pas grave. Je vois la souris. En résolution de base, moi j'ai 640x480. Et toi? Moi je suis en. Comment tu fais? Ah oui, option. Tac. C'est où que tu vois le truc? C'est en gris en fait. Ah ouais ouais bah je pense qu'on peut pas modifier. Small texture. Non. Non bah. Ah on peut mettre du sang. Ouais je vais mettre du sang. Y'a pas de sang de base? Non. Où ça? J'ai rajouté. T'as confondu, je suis sûr. Dans setting bah bloom. Ah mince, blood putain. Oh le fake. Voilà. C'est quoi ça? Netbook mode. Non, je suis pas netbook moi. Moins gourmand. Bon, il faut qu'on survive pour la nuit. Difficile. Hein. Première nuit, premier danger. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué à Don't Starve, Mika va nous expliquer quel est le but du jeu. Comme par hasard. Il faut reprendre les bonnes habitudes. Le but du jeu, c'est de survivre, pas mourir de faim déjà. Ça, c'est le but principal, ne pas mourir de faim. Après, il y a des subtilités dans le gameplay, comme il faut pas rester dans le noir sinon vous mourrez au bout de deux coups. Mais le but du jeu principal c'est de survivre le plus longtemps possible parce qu'il y a un système de jours que vous voyez en haut à droite. D'ailleurs, quand on était en fantôme, les jours ne passaient pas. C'est vrai. Donc il faut faire attention, voir si les jours passent quand on est en être humain ou pas. Oui, ça passe. Mais... Ah, oui, non, mais oui, ça oui. Compte le nombre de jours. Ok, Nagger, on va voir ça. Ah moi aussi j'ai mal à la gorge là, c'est un petit peu horrible. J'ai pas mal à la gorge. J'espère pas parler avec le nez. C'est juste moche. Ouais. Tac. C'est moi ou le... Quand t'appuies des fois ton perso il tape pas. Ouais mais... La marionnette c'est mieux. Bah normalement tu sais tu spams comme un gros et... Puis ça tape plus vite que quand tu restes appuyé. Prends DB hein. Quoi? Prends DB. Ouais j'ai déjà 3. Ok. Je te laisse celle-là, je pense que c'est du haut. Ouais. Les carottes aussi si tu veux. Donc on fait quoi? Tu veux qu'on cherche une base, un endroit où se poser ou... Bon on visite je pense. On visite? Enfin on prend des ressources mais en même temps on se déplace quoi. Oh non pas toi. Il est sorti, il est reparti. Ah, la première fois que je l'ai vu, mec, quand j'ai galéré à le tuer. Ça va, j'ai une technique, t'inquiète. Ouais, bah après, c'est tout simple quand tu connais. La technique des lapins ne marche plus. Et pour. Moi, les lapins, je mets des cages maintenant, ça marche super bien. Ouais, ça marche bien aussi. Il y a. Pour ceux qui ont joué au jeu et qui ont arrêté de jouer parce que ça leur a gavé, en fait, il y a beaucoup de personnages qui ont été modifiés. Oui. Comme Strongman, par exemple. Qui a bien été nerf et du coup Wolfgang, en fait hein. Moi, je crois que ça s'appelle, mais... ouais Wolfgang mais c'est son nom de scène The Strongman et en fait il a été tellement nerfé qu'il est presque inutile parce que du coup il faut être faut avoir l'estomac plein pour être deux fois plus fort et plus ton estomac est réduit plus tu deviens fragile. Au bout d'un moment t'es presque plus fragile que tous les autres persos du jeu. Voilà donc il sert à rien. Non, il servait à quelque chose. C'était le perso le plus fort du jeu, hein. Il tapait deux fois plus fort. Ouais, je le prenais avant moi. Hein. Il y avait une jauge de bouffe deux fois plus grande. Ouais, il était vraiment.
C'était bien, Myriline. Les carottes, on les prend tous ou on en laisse sur le passage? Ouais, on prend les deux, je pense. On va les manger rapidement. Ah, le gourou gourou! Je pourrais pas le tuer pour l'instant. Ah bah qu'il me laisse mes baies. Faut juste pas qu'il prenne les baies, ouais, voilà, ça c'est chiant. Ah, merde! Erreur débutant. C'est bon. J'ai un feu, moi. Et toi? Ouais. Allez, charge. Il aurait dû se mettre à côté, en fait. Toi, t'as un briquet, toi, c'est vrai. Toi, t'es un cheater. J'ai oublié. Ouais. Pas le meilleur poste du jeu pour rien. Alors, je vais juste faire cuire les carottes. Je peux te nourrir. Ah, je peux te donner feed. Ah, je peux te feeder. Mais d'ailleurs, le feeder. Je peux te nourrir. Évite de passer devant le feu, par contre. Sinon, ça va te donner au lieu de te faire cuire. Ouais. D'ailleurs, on peut expliquer pour les nouveaux, pour ceux qui ont jamais joué au jeu, les spécificités de nos personnages. Si on... Ouais, parce que chaque personnage a des spécialités. Ouais. Propre à lui-même. Hop. Bah, pour mon personnage, en fait, c'est une pyromane. Une pyromane. Pyromane, ouais, j'ai du mal. Elle aime le feu, quoi. Et du coup, sa jauge de mental, quand elle a du feu dans la main ou proche d'elle, elle baisse, même elle monte beaucoup plus vite que les autres personnages. Et des fois, elle pète un câble et elle enflamme tout ce qu'il y a à côté d'elle. Et c'est une de ses autres spécialités. Et le tien ? On plante des arbres parce qu'on est écolo. Bah le mien, bah j'ai pas tout lu parce que j'avais la flemme. Mais normalement il peut bouffer, putain, à peu près tout sans être malade. Merde. Et il peut faire quoi? Je crois qu'on peut l'améliorer avec des objets, mais je suis pas sûr. Et il y a un dernier truc, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, je crois que dans l'eau il est plus faible, donc s'il pleut je crois que mon personnage il souffre. Ah mais du coup il craint pas la foudre, non? Sûrement, ouais. Ouais. Je suis un paratonnerre. Ah, y'a du caca de... Y'a buffalo? Non, d'éléphant. Ah. Voilà. Ah, premier fight. Première mort, ouais. Non, c'est pas du caca, voilà. C'est une trace. N'importe quoi, toi. Lapin. Moi, je vais suivre les traces. Hein. Je coupe les arbres parce que... Ouais. Faut au moins 2 stacks pour être tranquille, en fait. Puis s'il y a le gros arbre, je me défonce, t'inquiète. Il y a une trace de pneus. Une route de bois. Une route des bois, une route en terre, quoi. Et je te dis, hein, de toute façon. Oh, ça sort les buffalo par ici, non? Prends, tu prends pas la bouffe sur le chemin, toi. Si, j'en ai pris. Bah là, je suis les traces, donc du coup, je vais vers toi. Bah, j'ai pas tout pris non plus, mais. Mais ouais. Ouais, mais après je quitte ma route et après je sais plus où il faut aller. Autant suivre la route. La même route que toi et je prends les objets à côté. Hey, la marque elle est plus là. Et ça fait un petit moment que je tourne là. Oh oh. Je suis tes traces. Hein. Ouais. Par contre, ouais, là, bah du coup on arrive à un endroit où il y a une mer oiseau. Ah, un tall bird. Ouais. Est-ce qu'il y a un œuf? Non, pas d'œuf. Ça va. De toute façon, ça sert à rien hein, au final le feu. Ouais, mais au moins on est tranquille. S'il y avait un œuf, on serait pas tranquille en fait. Ouais, du coup, je t'attends. Je suis là. Tu m'as pas. J'aime bien les bruitages de mon perso. Regarde. T'es où? Je vois pas. Je suis derrière toi. Ah. Normalement, que si je clique sur. Ah, c'est bien fait. Pam, 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 pam. Du coup, là-bas, il y a des trucs si tu reçois une pioche. Bah, là où ouais. Il y a le Tolbert. Mais du coup, les traces, elles m'emmènent dans l'eau, quoi. Donc de l'autre côté. Faut savoir que dans le jeu, il faut vraiment récolter à bloc. Ce que je ne fais jamais. Mais il faut pas négliger la récolte parce qu'à un moment, vous en aurez vraiment besoin et vous aurez rien. Ah, c'est vrai que moi, je suis un peu. C'est un jeu de farmer, en fait. C'est un jeu de farmer. Voilà. Il est vraiment bien, ouais. Par contre. En général, je prends ce que j'ai besoin pour me déplacer et dès que je trouve un endroit bien, je pille tout ce qu'il y a. Et après je me fais un gros campement. Carotte. Parce que au final la bouffe ça périme. Ouais. Et les carottes le problème c'est que ça repousse pas donc en général je les garde. Moi quand je joue en solo je les garde pour les cas extrêmes. Ouah, y'a par là toi. Dommage j'ai pas Maxwell, j'aurais pris un perso. Ouais mais il est trop fort Maxwell. Ouais il est pas si fort que ça hein.
Et au final, tu meurs vite à cause de ces objets. Ouais. Moi, mon perso, enfin, je sais pas si c'est parce que peut-être qu'on joue en ligne, mais mon perso, il met du temps à ramasser des fois. Genre, il fait un. T'as l'impression qu'il bug. Peut-être parce que c'est malheureux, toi. Oh putain! Vas-y, en haut, en bas. Occupe-le, pour l'instant, je mine l'or. Ok. Je l'emmène au loin. Je suis la route en terre vers le bas. Bon, ok, ça s'arrête là. Et il revient. Il vient vers toi, je crois. Ah, il vient vers toi. Prends l'or. Et je prends le reste. Tu devais être proche du nid, il a pas dit. Ouais, bah, je suis juste à côté. Bah, vas-y, on se barre au pire. Ouais. Tu me lâches ou quoi là? Oui, il m'a lâché. En fait, maintenant, ça s'est échangé. Maintenant, l'or, c'est que dans les pierres comme ça. Ah, je sais pas. Et du coup, j'ai pas de pioche moi. Bah, je te laisse. De toute façon, on a pas besoin de ton or. Dès qu'on trouve la. Bah, vaut mieux être. Bah, vu qu'on est là, vaut mieux en profiter parce qu'on va partir. Ouais. Vas-y, t'as raison. Moi, c'est comme ça que je pense dans le jeu. Parce qu'après, je me dis, j'aurai la flemme de revenir. Si t'en as besoin pour un craft, par exemple. De toute façon, moi, je fais toujours mes bases. Après, ça m'arrivait souvent de recommencer. Donc, en général, j'essaie d'avoir une route en pierre avec des buffalo à côté. Et comme ça, la route en pierre, elle peut être déplacée vite et donc d'aller chercher des ressources selon. Moi, je squatte souvent dans les villages de cochons à côté des. Hop, faut qu'il y ait des lapins à côté, par contre. Et là, tu pars. Ouais, bah, les trucs de buffalo, il y en a toujours. Pas faire les lapins. Non, mais parce qu'il y en a toujours avec. Les lapins, c'est moi je remplis 6 à 10 coffres. Chaque fois ils sont pleins. Du coup, le truc c'est que vu qu'on est deux, faut deux fois plus de bouffe. C'est pas faux ça. Eh, pas forcément plus simple. Et déjà, quand tu vas pour l'estomac, il est tout rappelé plein là. Bon, c'est pas grave. Va falloir qu'on fasse des enfants après. Hein. Eh, c'est pour ça que j'ai pris une femme, mais bon, t'as pris un robot donc. Ah. T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. Elle a pas tout prévu hein. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, il est équipé. Ouais. Il est équipé le coquin. Ah, je vois. Par contre avec. Ah, il y a un autre tolder là-bas. Du coup on fait quoi? On cherche. Ah, on suit la route en. Pour l'instant je coupe un peu. Ça va bientôt faire nuit. Non, c'est pour ça en fait je finis de cuter des trucs en or vite fait. Ouais, le nitre ça sert à rien en fait, je le prends mais bon, je sais que ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Enfin, ça sert sûrement à quelque chose mais ça m'a jamais servi. Ça sert à fabriquer le sol, moi. VP. Je suis dans Minecraft. Il va faire nuit dans 2 secondes. Est-ce qu'on a. Oh, on a assez de ressources pour faire du feu quand même. Ouais, c'est bon. Bon, je fais un petit feu, hein, toujours. Ouais, bah les gros feux c'est que pour les. Pour les bases! Les bases. Bon, je mets là-bas parce qu'on a 3 pierres, je vais me rentrer les 3. Ouais, t'as raison. Comme ça, on a le temps de faire de côté. Mais cut! Mais cut! Mais. Il veut pas. Ouais, t'inquiète, je connais. Il y a l'air. Vivement là, que je joue la manette. Hein. Si on peut sur PC, je sais même pas. Ouais, le truc jaune là, ça sert à rien. Enfin, ça m'a jamais servi. Je crois qu'on peut le faire brûler. Est-ce que t'as faim? Ouais. T'inquiète, je m'en occupe. Thanks. Non, mais tu sais, je vraiment, c'est ta nourrie, non? Ouais. 3, ça devrait aller. Ah, tu sais quoi, je vais me mettre full aussi. Donc, je peux. Faut qu'on fasse un backpack. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Deltal Earth. Suck your blood to revive a ghostly. Oh, mais non. Ok. Hein? Je build. Aïe. Tu viens de te taper là? Vas-y, fais la corde et fais le premier objet. Ok, donc on pourra revivre une fois qu'on est en fantôme. Voilà. Par contre, mon personnage devient fou là. Son cœur il est 91 et toi? Le cœur? Ouais, non, le. Ouais, le cœur 70. Ouais, la tête, ouais. La tête, moi je suis à 66. Ah ouais, faut cuire des fleurs là. Ah, mais j'ai pas besoin moi. Là par exemple, là ça monte. Pas moi. Juste à courir avec la flamme en fait dans la main.
En évitant juste d'éviter de cramer les trucs quoi. Vas-y, je suis la route en... Vas-y, ah. Vas-y. Y'a un petit truc bugué là. Bon, je ramasse des pierres tranquillement. Hein. Je pense que je couperai à la fin hein, les épisodes. Hein. Là, je suis ouais. C'est mieux, hein, ce genre de série. Tu vois, faire des moments intéressants, quand on parle de trucs intéressants, après tu peux couper. Hein. On va pas toujours dire des trucs cimetière. Ouais, je suis dans un cimetière, je suis la route. Parce qu'il y a plein d'or dans le cimetière, ramasse-le. Hein. Il passe chaque fois près de l'or, il prend rien ce mec. Il y a de l'or par terre, à sa portée, il prend pas. Faudrait faire une pelle pour creuser les tombes. Ouais. Pour nourrir le cochon. L'or ça sert hein. Ah oui, mais toi tu peux fabriquer des items en or. Malade. Ça sert trop l'or. Bon, et c'est où les buffalo là hein? On veut pas de buffalo, nous on veut de la paix. Les buffalo c'est beau, ça fait du caca. Ouais, et on peut les raser, c'est bien ça. Ouais, pour le froid c'est pas mal. Mais que quand ils dorment, parce qu'après ça peut trop dangereux. J'aime pas ce genre de plateforme. Ah, à deux on peut les killer simple. Vas-y, va à droite, tu vas à gauche. Ça avait marché, mon personnage était trop loin à attaquer. Attends. Tu as tapé, oui. Yes. Oh, genre. Oh non, ils ont résistant maintenant. Hache-le. Tue-le. Allez. Bravo à ces chasseurs d'extrême. Vas-y. Il préfère fuir la meuf, il sait que c'est un danger. C'est elle qui cuisine. Allez. Non. Phrase miso. La phrase miso qui passait. Qui passait crème. Pourquoi t'as pas, je comprends bon, pas. Vas-y, mettons 0. Vas-y. T'as gagné lapin. T'as de la chance. Attends, je me soigne. Attends, je gagne 114 si j'en mange encore. 116, ok, ça rationne 2. Super. Faudrait que je cueille des fleurs moi par contre. Tiens, je vais jouer avec la flamme dans la main. Tiens, je vais regarder dessus la carte. Ouais, en fait, on a pas croisé de... Le mec, il dit ça, il a cassé une pierre, il avait pas ramassé tout ce que la pierre a lâché. J'ai pris l'or, en fait. Parce que j'ai déjà un stack... Un stack de cailloux. Les silex, par contre, il en faut plus, j'en ai pas assez. Et les silex, ça fait les outils, et sans outils, on va pas loin. À ce qui paraît. Vas-y, je vais vite fait... On détrace hein. Voir s'il n'y a pas de trucs intéressants. Ce que je fais aussi. Je marche. Je me balade. Je me balade. On est à la recherche de buffalo. Allez, on pick up le flint. C'est quoi cette map toute buggy? Il y a des routes en plein milieu là qui servent à rien. Ouais, bah, ça a toujours été comme ça. Hein. Mais il a toujours eu des choses comme ça. T'as quand même du trou qui sert à rien. Allez, du coup je reviens en arrière. En fait on a presque fait tout le tour. Faut remonter. Au-delà du cimetière. On se balade. Ils ont su le chemin. Ah, je suis pas peur de toi nous, qu'est-ce qu'il y a? Le chemin l'a déjà suivi en fait. Là il faudrait continuer. Oh. Vas-y prends-le. C'est pas moi. Oh, c'est pas moi, je te jure. Je te jure c'est pas moi. C'est elle! Zekla va nous aussi toute la vie. Hein. T'as oublié son œuf. Hein. Elle pose-le par terre là. Elle fera son lit ici. Et on la butera pendant la nuit. T'es sûr que. Attends, je vois si elle récupère son œuf. Ah, oui, en fait. Oh mec! Attends qu'elle s'en aille loin. Puis ça fait chier, je travaille. C'est bon! Puis... On a trouvé une astuce. Mais je crois qu'au bout de 3 fois que qu'elle meurt, parce que moi je l'ai tué avec les abeilles, en fait je l'ai tiré avec les abeilles. Au bout de 3 fois qu'elle meurt, elle te course à vie. Je vois.
Moi, je sais que l'on va cuire. Salut. Tu peux cliquer sur j'aime si tu as aimé la vidéo. Tu peux cliquer sur s'abonner pour t'abonner à la chaîne de Kent. Et tu peux cliquer sur @mickak9 si tu veux le suivre sur Twitter. Allez! Et n'oublie pas, un j'aime égale une caresse. Alors caresse-moi en cliquant sur j'aime. Allez! Clic, 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 clic! Clic, 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 clic! Allez! S'il te plaît! Allez! Clic! Allez! Tic 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 t